Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on passe beaucoup de notre temps à chercher de la distraction, de l'amusement, pour égayer la condition qui est monotone de tous les jours, qui se répète dans les habitudes et les tracas. Savoir pourquoi cela se passe comme ça. L'esprit est inconfortable quand il y a du silence, quand rien ne se passe, il lui faut de l'occupation. Parce que dès qu'il y a du silence, il est face à la situation, il est face au fait, à ce qui se joue, il est face à l'événement, il est face à ce qui se meut à l'intérieur de soi. Et en étant distrait, on n'est pas présent pour voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc le silence est crucial pour pouvoir apprendre à se connaître. Se connaître ne peut se faire que dans le silence, hors de la distraction, hors de tout ce que le monde peut te proposer. Parce que ce que le monde te propose, est toujours quelque chose qui arrivera depuis l'extérieur de ta peau. Voilà ce que le monde te propose. Le monde te propose les choses déjà vécues. Le monde te propose ce que le passé propose. Le monde te propose de rentrer dans la danse de ce qui a été, du désir, de l'envie. Et tout ça encombre l'esprit. L'esprit n'a plus sa capacité d'être, d'être présent. Et il faut que tu sois présent pour voir cette pensée. Que d'habitude, la pensée en elle-même, elle n'est pas vue. Elle est inconsciente. Elle vient et elle subjugue. Elle fait réagir. Et cette réaction, elle est compulsive. C'est pour ça que voir la pensée, comprendre la pensée et la débusquer, débusquer son stratagème, si tu veux, le programme dans lequel elle se joue, pour pouvoir voir ce qu'il y a de faux. Parce qu'il y a quelque chose de faux dans ce que la pensée propose. Parce que la pensée ne te propose pas la réalité. Elle te propose de vivre une illusion, de vivre un idéal que tu vas poursuivre toute ta vie et tu seras dépendant de l'idéal que la pensée va te donner. La pensée, c'est les histoires qu'on se raconte. Parce qu'on pense que c'est nous-mêmes qui faisons ces histoires, mais la pensée, inconsciemment, elle te l'envoie. Elle te le donne. C'est inscrit en toi et tu les répètes. Sans même le savoir. Tu veux être cela. Tu veux être l'idéal. Donc, c'est parce que tu t'es identifié à ces pensées. Donc, il faut bien comprendre que la pensée est subjugue l'esprit. L'esprit n'est plus capable d'être rationnel, de voir les choses telles qu'elles sont. Et la survie, je dirais, de l'humanité est basée là-dessus. Parce que aujourd'hui, tu peux voir pourquoi nous détruisons la terre, nous faisons des guerres, il y a des gens qui meurent de faim. C'est pas ce que nous voulons vraiment, chacun d'entre nous, mais cela arrive parce que on ne peut plus rien faire, parce qu'on est devant une compulsion, devant quelque chose qui est arrivé à cause de beaucoup de choses qui ont été faites. Et ces choses qui ont été faites, ben, c'est des choses inconscientes. Et toutes ces choses inconscientes jouent leur rôle dans l'ombre. Nous sommes dans un monde où tout se joue dans l'ombre. L'ombre de ce que la pensée projette.
l'ombre de ce que l'inconscience propose. Donc la présence de toi, qui est conscience, est nécessaire dans le domaine de la pensée, dans ce que tu es. Comprendre soi, aller voir qu'est-ce qui se joue, pour voir ce qui se joue vraiment, il faut éclairer l'ombre. L'ombre, ce sont les choses que tu ne veux pas voir, les choses qui te réconfortent, les choses qui te donnent du bien-être. Alors, tu les chéris, tu en fais ta zone de confort, et avec ça, tu t'accroches à ça, et tu renies ce qu'il y a vraiment. De l'autre côté, il y a quelque chose d'invisible, de grand, de beau, mais il est impossible à toi de t'engager sur ce chemin parce que tu es dans cette atmosphère où tu dois trouver du réconfort et tout le temps, toujours plus de réconfort. Ce réconfort, il doit être trouvé parce que de plus en plus, nous vivons avec l'insécurité. Et à cause de cette insécurité, nous voulons la sécurité. Et plus tu veux de sécurité, plus tu vas être anxieux de la perdre. Donc, plus tu réussis, plus tu amasses, plus tu as de la notoriété, plus tu auras peur de perdre le réconfort que cela pourvoit, la reconnaissance que cela te donne. Donc, la sécurité que nous connaissons, chacun d'entre nous, c'est-à-dire quand on amasse des choses pour se sentir dans un sentiment de bien-être, est illusoire. Parce que c'est quelque chose, c'est un sentiment, c'est un idéal que l'on se propose à soi-même, c'est-à-dire la pensée crée l'idéal et on le poursuit pour le mettre en place. Et quand on l'a mis en place, on s'aperçoit que, en fait, il y a le revers de la médaille. On a du plaisir, mais derrière tout ça, il y a le déplaisir. Et de ça, on a peur. On ne veut pas que ça arrive. Donc, on s'arrange toujours pour que la sécurité du plaisir soit là. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais la plupart d'entre nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Le monde fonctionne comme ça. Nous voulons du plaisir, nous ne voulons pas souffrir, nous voulons seulement garder les conditions dans lesquelles on a trouvé un peu de répit à la monotonie qui se joue. C'est pour ça que nous sommes friands de tout ça, de cette sécurité qu'il faut toujours construire, qu'il faut toujours garder comme étant fiable. Et pour le garder de manière fiable, eh bien, il faut toujours le travailler. Donc, ton esprit n'est jamais, jamais en paix, parce que tu dois toujours trouver de la sécurité. Et cette sécurité, c'est du vent. Il faut savoir le regarder pour voir que c'est du vent, pour voir qu'il n'y a rien qui est sécurisé. Tout vient, tout part. Et à la mort aussi, tout va devoir être laissé là. Il n'y a pas de sécurité. La sécurité, c'est une illusion. C'est quelque chose que l'on se propose pour ne pas être affecté de tout ce qui s'arrive, de tout ce qui arrive. Des changements qui arrivent. Parce que la vie, c'est un grand changement. La vie ne se passe pas dans les sentiers battus. La vie, elle se passe en dehors de tout ça, vers l'inconnu. Et l'inconnu est tragique si tu veux t'accrocher à ce que tu connais. Donc, la sécurité n'a rien à voir avec la vie. Et si la vie
se meut à travers toi, à travers tes réactions, tes gestes, à travers tes actions. Alors, peut-être que tu seras toi-même acteur de la vie que tu aimerais. La vie pourrait changer. La vie ne serait plus dans la conclusion de tout ce que tu as amassé. Tu ne serais plus dans la peur de perdre, parce qu'il n'y a rien à gagner. Alors tu es libre, libre d'agir. Libre d'agir pour faire en sorte qu'il y ait autour de toi de l'ambiance qui crée l'harmonie. Personne d'autre que toi-même pourra le faire. Il n'y a personne que tu peux commanditer et dire ben, « viens mettre de l'harmonie, de l'ordre ». Il n'y a que toi qui peux le faire dans ta vie. Parce que c'est quelque chose que chacun d'entre nous doit s'éclaircir à l'esprit pour pouvoir avoir l'action juste les uns envers les autres. Une relation sans conflit, une relation où rien n'est ambigu, où tout est clair. Dans ces relations claires, c'est là que se trouve la sécurité.